L'interface de Blender est constituée de plusieurs blocs. Outre la barre principale et la barre d'info, l'espace de travail domine tout le reste de la fenêtre. L'espace de travail ou Workspace n'est rien de plus qu'un ensemble d'éditeurs imbriqués les uns sur les autres. Tout ce bric-à-brac peut être modulé comme bon nous semble. Concrètement, pour réadapter la largeur ou la hauteur d'un éditeur, placez votre souris sur l'une des lignes séparant deux éditeurs, puis, dès l'apparition de la double flèche, Cliquez et sans lâcher, dirigez-vous dans la direction de votre choix. Relâchez pour valider. Pour subdiviser un éditeur, placez votre souris sur le sommet d'un éditeur. Puis, dès l'apparition d'une icône en forme de croix, cliquez et bougez votre souris dans la direction adéquate. Relâchez pour valider. Pour fusionner deux éditeurs, placez votre souris sur le sommet d'un éditeur. Puis, dès l'apparition d'une icône en forme de croix, cliquez et bougez votre souris dans la direction adéquate. Suivant le positionnement de votre souris, le sens de la fusion est représenté par une grande flèche et un assombrissement apparent. Relâchez pour valider. Comme vous l'avez vu, tous les éditeurs sont pourvus d'une barre de menu, où nous trouvons une icône servant à passer d'un type d'éditeur à un autre. Ces derniers sont dispatchés en quatre catégories. En général, nous travaillons avec deux panels. Celui de gauche, affichable avec la touche T, contient toutes sortes d'outils. Celui de droite, affichable avec la touche N, renferme divers paramètres et informations de transformation. En animation, le panel de gauche contient une simple arborescence. Dans cette catégorie, le fait d'appuyer sur T ouvre une boîte flottante servant à définir les comportements des courbes. En ce qui concerne les éditeurs placés dans les catégories Scripting et Data, les panels que nous venons de citer sont inexistants. Voilà. D'ores et déjà, je vous invite à vous exercer sur les manipulations que nous venons de voir. Comme vous avez vu, c'est pas très sorcier.